Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Pokémon5 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Nuzlocke sur Pokémon Ruby S. Comme vous aurez pu le voir en début de vidéo, vous aurez eu les passages d'évolution des différents Pokémon, donc c'est-à-dire Amande et Bubble, qui entre-temps également ont changé niveau moveset. Du coup voici déjà le moveset de Amande, Tonnerre, Électacle, Reflet, Cage Éclair. Donc c'est, on peut pas contrer les Pokémon de type au sol, mais au moins on a de quoi faire. Et Marest a clairement, je pense, le meilleur moveset possible. Séisme, Surf, Amnésie et Dance Play, donc un gros monstre avec l'eau mystique. Je suis allé à Vermilava également entre temps Orcana pour acheter, enfin pour récupérer pardon, le charbon que nous donne un PNJ dans l'herboriste. Sinon, je crois que c'est tout, j'ai acheté un peu d'île. J'ai réarrangé mes objets, ouais, j'ai acheté quelques potions max. Et du coup, forcément, vous avez vu que du coup, les Pokémon ont XP. Et j'ai vu qu'on peut récupérer l'aimant dans la maison des pièges. Et vu que c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore fait, et ben on va en profiter. Donc peut-être que je pense que cette vidéo, on te regarde. Donc théoriquement, cette vidéo devrait durer un peu moins longtemps, je pense. On va peut-être faire quelques zones pour compenser la durée de vidéo. C'est un parchemin. Que je cadère. Prends garde, je suis humain, on m'appelle le maître des pièges. Très bien, j'accepte ton défi. Entre par le parchemin et porte-toi au plus grand des mystères. Est-ce qu'on a bien Cola avec pièce renouée? Oh non, il y a besoin de coupe. Je savais pas qu'il y avait besoin de coupe, donc. Et bah, on va se rediriger au centre Pokémon, récupérer un Pokémon qui a coupe. Ou qui peut apprendre coupe, tout simplement. D'ailleurs, oui, Bubble avait plongé, mais je lui ai enlevé, tout simplement, pour ceux qui se posaient la question. On a autant de Pokémon. Marmotte, j'imagine, qui peut apprendre coupe, quand même. On va retirer Raichu temporairement. Ah bah je crois que Medina va prendre coupe, donc profitons-en. Pas du tout! Je pensais. Bon, alors, est-ce qu'on a un Pokémon qui peut prendre coupe là-dedans? Ouais, Fouinard, Galaxou. Il me semble que... Bah ouais, on va récupérer Nathan, hein. Nathan qui sert littéralement de ses esclaves, ça me tue. Hop, parce qu'il avait déjà force éclatroc, jet de sable. On va dégager rugissement. Hop, et on va se rediriger à la maison des pièges. Et après, comme dit, on compensera, je pense, la durée de la vidéo. Parce que de base, je voulais faire la ligue. Mais j'ai vu qu'on pouvait récupérer les membres, donc je me suis dit, bon, on va faire un autre épisode un peu. Filler. J'espère que cela vous dérange pas, mais au moins on se prépare bien et on fait des trucs qu'on n'a pas fait. Alors maison des pièges de Pokémon Ruby et Saphir, je l'ai jamais faite. Donc si je suis un peu perdu, ça sera normal. Mystère. Oui. Eh ben attends, qu'est-ce que maison des pièges, c'est compté comme une zone? Bon, je pense que non, mais vu que des fois je note des trucs dans mon document, maison des pièges, c'est compté comme une zone. Je l'ai compté comme une zone. On peut pas avoir de Pokémon, on est d'accord. Maison des pièges. Hop, il y a tout plein de dresseurs. Bah non. Pourquoi? Lieu. Bah oui, parce que c'est un lieu et du coup je l'ai compté comme un... Comme une zone. Tu m'étonnes. Allez.
Oui, du coup, forcément, également, je n'ai plus d'argent. Des potions max, ça coûte cher. Et je me suis pas encore décidé si j'allais vraiment me giveler c'était ou pas. On a quand même fait tout un let's play sans. Je me dis que c'est un peu dommage de faire avec. Lettre orange passe à finir à la vente, ça. Là, j'imagine qu'il y a un item caché. Même pas. Donc, on fera 100, je pense. On se débrouillera 100. On n'a pas les meilleurs movesets, mais bon. Et niveau thune, bah, j'essaierai de farmer l'argent. Et au pire du pire. Ah non, même me giver de la thune, en vrai, ça me ferait chier. Là, il y a un truc à droite, je sais pas ce que c'est. Je me souviens dans cette maison bizarre. Zigzaton. Hop, ça dégage. Et un mode zigzaton. Ça dégage aussi. On a reçu une gamme un truc. On a trouvé un parchemin. Le code secret est à vue sur parchemin. D'accord, bon bah j'espère que ça va passer parce que j'ai cru qu'il fallait retenir un truc. Donc ça va. À ton tour. Bon, au moins, on gagne un petit peu d'argent. C'est pas grand chose, mais petit à petit, j'ai envie de dire. Ok, t'es pas tombé amoureux, ça va. Là, ne proc pas ce passeport. Ça va. Et Maril, y a rien de dangereux. C'est good. On gagne assez peu d'XP, mais c'est pas vraiment ce qui m'importe. Moi, ce qui m'importe actuellement, c'est l'argent. J'espère qu'après, on n'aura pas besoin de d'autres CT, parce que sinon, c'est un peu la S. Et là, ceux qui connaissent, formidable, la porte s'ouvre. Non, tu reviens. Super bonbon, nice, tant mieux. Du coup, on peut sortir par là, j'imagine. Du coup, si je re-rentre. Ah là, c'est la plante. Blablabla, allez hop. Là, ça va, ça a juste l'air d'être un labyrinthe. Lettre vague. Ça partira à la revente, tout ça. Hein. Bon, là, au-dessus, il y a un trou. Là, il y a un bouton, on va tenter d'appuyer dessus. Par sale. Ah. Est-ce que si? Non. Forcément, si j'appuie dessus, ça ne fonctionne pas, mais j'imagine que le trou d'au-dessus, voilà, est libéré. On va faire ce dresseur là. Comme ça, peut-être qu'il y aura quelque chose au-dessus. Hop, chamallow, mystère. Pas post-port, s'il te plaît. Je sais pas si c'est la post-port, mais dans le doute. Go, Elise. Bon, normalement, de base, la maison de pêche, on peut la faire quand on est à peu près au niveau des dresseurs qui sont là, mais vu que ce n'est pas le cas, bah, du coup, on va notamment rouler dessus. Lettre port, bon, ça n'a pas rapporté grand-chose niveau thune, mais c'est déjà ça. Il me semble qu'on va passer par là. Oui. Là, il y a le parchemin, du coup, il faut qu'on passe par là. Et qu'on appuie sur l'interrupteur du bas, et peut-être qu'il y a un truc au-dessus, j'ai pas fait attention. Gwendoline, Balignon. Pas de pause port, s'il te plaît. Nice, bon, au moins ça va. Et Charmion. Hop, ça dégage. Qui a donné un peu plus d'XP, hein. Bon, original. Non, pas original, mais je me suis compris. Là, on peut passer. Oui. Et là, on peut activer le bouton, récupérer le fameux parchemin, et on aura fini le deuxième défi. Et d'ailleurs, je vais vérifier combien il y a de défis. Alors, non, j'ai ouvert la mauvaise page. Maison des pièges. En attendant, moi, je vais me diriger vers là. Il y a 7 défis, apparemment.
Donc peut-être qu'on fera que la moitié, je sais pas, vu qu'il y aura encore du montage. Chronoball. Enfin, de toute façon, on va faire tant qu'on n'en récupère pas l'aimant. Et vu que l'aimant, j'imagine que ça sera l'item 7, va falloir enchaîner. Je vais profiter du coup juste pour aller au centre Pokémon, enfin pas au centre Pokémon, au shop, vendre les lettres, parce que sinon ça va bouffer de l'espace dans notre sac pour rien. Et après on ne va pas pouvoir récupérer les trucs. Lettre porc, je m'en fous. Lettre vague, je m'en fous. Lettre orange, c'est pareil. Je vais déposer le super bonbon au PC. Non, non. PC de moi, stockage, déposer. Le super bonbon, et je vais retirer, du coup j'avais déposé une lettre, la lettre porc, voilà. On va aller revendre, ça fait 25 Poké-Dollars, c'est rien du tout. Mais c'est toujours ça de prix, j'ai envie de dire. Quand c'est la S, c'est la S. Ah. Misclic. Allez hop. Et on va faire le troisième défi de la maison des pièges. Donc je pense que vu la durée de la vidéo, du coup on aura même pas besoin de faire des zones supplémentaires en filler, donc tant mieux, j'ai envie de dire. Et là il y a besoin d'éclatroc, c'est bon, on attend éclatroc, ça va. Quoique peut-être que les Pokémon zones, comme on peut voir, c'est avec éclatroc. Donc dans le doute, on va peut-être tout couper. Hop. Je sais pas ce qui se passe, mais bon, on verra. Skitty. Pad. Tombe pas amoureux. Ça va. Et Tilton. Ah, et les niveaux ont augmenté un petit peu. D'où le fait que la barre d'XP n'est pas aussi rapide. Enfin, l'être bois. Et que la barre de PV des Pokémon adverses ne descend pas aussi vite. Là, il y a un objet. Lettre ombre. Est-ce qu'on peut passer par là? Non. Là, on doit appuyer sur le bouton. Là, on doit casser avec la truc. On récupère le parchemin. On affronte le montagnard. Et après, je crois qu'on va pouvoir passer à droite en appuyant sur l'interrupteur. Vrai caillou. On va faire preuve de mort. Je pense pas que je vais attaquer le maître à caillou. Et on passe niveau 55 avec Cola. Tarinor. On refait Côte Nord, hein, tranquille. Et Gravalanche. Et ben on va refaire Côte Nord. Il n'a pas de destruction, c'est niveau 25 qu'il apprend, il me semble. Donc ça va. Et on a battu Al. Et tant mieux. Du coup, j'ai envie de dire que les dresseurs sont plus puissants parce que. Comme ça, on va pouvoir. Gagner plus d'argent parce que c'est pas les gamins qui vont pouvoir nous donner masse thunes. Pierre dure, ça augmente les attaques de type roche. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. On n'a pas de Pokémon roche, mais peut-être que si on avait un Pokémon roche dans la team, ça pourrait servir. J'ai absolument pas vu où est-ce qu'il se cache. Bah tant mieux. Allez, j'espère que là, j'imagine ça va être force. On est coupe, éclatroc. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Maintenant c'est force. Faut tout pousser vers le bas. Ah, il y a une limite, d'accord. On va affronter ce karatéka. Du coup, c'était 25 avant, et maintenant, il devrait être quoi, 28, 20, 30? Ouais, 28. Hop, on va faire Fox, comme ça ne mise pas. Matchhopper. J'espère qu'il y aura des Pokémon, enfin des Pokémon, des dresseurs qui donnent masse d'argent. Lettre Mecha. Tu m'affrontes pas? Si, c'est bien ce que je peux dire.
Comme ça, bah, ça rentabilise et ça me fait gagner de l'argent. Et moi, j'aime quoi? L'argent. Force. Hop, Medica, ça dégage. Là, on passe comme ça. Et là, on va pouvoir pousser ça. On va pouvoir pousser ça comme ça. Je crois que le parchemin est à gauche. J'espère. Parce que sinon, va falloir recommencer, je crois. Chapignon. Je crois pas qu'on en a vu encore. Mac Punch. C'est la priorité. Donc, GG a un PA à lui. Ce sera les seuls PV qu'on aura perdu, probablement. Niveau argent, comment on s'en sort? Ouais, 11 000, c'est pas assez. Si le parchemin est là. Bon, qu'est-ce qu'on va avoir cette fois-ci? Vu qu'il y a eu pas mal de karatéka, j'imagine qu'on va avoir la ceinture pro. Une zone qui augmente les attaques combat. Boule fumée, non, c'est pour s'enfuir des combats, ça. C'est pas hyper bien, mais bon. Non, vraiment, c'est nul en fait. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est nul. Je n'ai pas fait attention. J'ai vraiment pas vu en fait. Gouvernement. Voilà, non. Derrière la plante. D'accord. Alors bon, là c'est quoi le défi? Là on va faire le défi 6. Et il y a des Pokémon Rangers et un ornithologue. Et ils sont niveau 38, donc on peut tomber, c'est ça? Il faut juste aller tout droit peut-être. On pourra parler à Mecha Poupée 5 et avoir le code secret. N'est pas de type plante, lequel? Ningel n'est pas de type plante. Mecha Poupée est trop bas. Mais quel Pokémon a fait l'objet d'un échange à l'école des dresseurs? Balignon? Ah mais ça recommence. Mais j'en sais rien moi. Route 103 c'est au début. Ingal. Quel Pokémon le chercheur de Devon recherchait-il dans le bois clémentier? J'en sais rien du tout. Balignon. Nice. L'argent est mon seul intérêt. T'as bien raison, même moi. Qu'est-ce qui coûte le plus cher, 3 Pokéballs ou une super potion? Ça a le même prix. 3 Pokéballs c'est 100, une super potion c'est 600 il me semble, donc c'est le même prix. Non, c'est 700 une super potion, je suis débile. Un Pokémon qui ne trouve pas sur la route 103. Bah du coup, on a vu que c'était Ningal. 3 Pokémon se trouvaient dans le sac du professeur Seco. Lequel était à droite? Bah, Gobu. Logiquement, si on suit l'ordre des starters. Un Total Soin et une Super Ball coûte-t-il plus qu'un rappel? Oui. Non! Bon, on va tenter de se concentrer un max, là. Un Spogan n'est pas de type plante. Lequel? Bah, du coup, Mingal. Quel Pokémon dans la chaîne dans le bois Clémenti? Chenipot. Hein, du coup c'est Zizaton qui recherche. Un peu plus chiant ce quiz. On peut utiliser griffe. Ningal. La réponse est tout le temps Ningal, j'ai l'impression. 3 Pokémon se trouvent dans le sac du prof Seco. Lequel est un autre coup au bout? Qu'est-ce qui coûte le plus cher, 3 Pokémon ou une super potion? La super potion. S'il te plaît, c'est le dernier. Au centre culturel de Myokara, y avait-il plus d'hommes ou de femmes? J'en sais rien. Plus d'hommes? Oui. Oh non, putain, il y en a un autre. Combien de patins y a-t-il à Nin Creek? Qu'est-ce que j'en sais? Combien y a-t-il de panneaux à Nin Creek? Bon, j'ai un peu la flemme. Hein. Ok, il y en a 8.
Merci Pokébip. Parce que moi, bon, j'ai un peu la flemme de revenir jusqu'ici, je vous avoue. Et on, vu que c'est l'avant-dernier défi. Bizarre d'ailleurs qu'il n'y a pas de dresseur. Alors pourquoi ça... C'est peut-être un défi intermédiaire. Je sais pas. C'était 12. À quoi ça correspond? Je n'en ai aucune idée. On va voir ça vite fait. Provoque. C'est nul. Je vais jamais utiliser provoque de ma vie. Alors, je sais pas pourquoi ça me propose des dresseurs alors qu'il n'y a rien. On va savoir. Allez, normalement, c'est le dernier. Allez, allez, allez. Oh non. Faut se concentrer parce que là... C'est pas le genre de puzzle que je réussis facilement, j'allais dire. Bon. Tout est par pied autant. T'as bien raison, mais moi ça commence à m'embrouiller là. Ah non, les rangers c'est ici. Donc le truc d'avant. Ah non, c'est vraiment... Ah non, c'est le défi 5. Là, c'est l'avant-dernier défi, en fait. On n'est pas du tout à la fin. D'ailleurs, le Cacturne est niveau 39. Et sur Poképédia, il est niveau... Enfin, là, il est 42, et sur Poképédia, il est 39. Donc, soit ça a été up, soit Poképédia a faux. Et vu que j'imagine fortement que c'est Poképédia qui a faux. Bon, à toi. Tu es la femme, donc tu as Tilton et Roselia niveau 38. 41, pas du tout. Donc je pense que c'est Pokébédia qu'à faux. Niveau thune, là par contre, on va se mettre bien. Force. On va gagner 3000 et quelques, je pense. À 3900. Et Ranger, ça donne souvent masse d'argent. Donc profitons-en, j'ai envie de dire. Lettre. Brill. A pas un truc à jeu qu'on pourrait donner vite fait. Balle fumée. Allez, balle fumée sur Nathan. Donc là c'est la sortie. Faut qu'on descende. De ce côté, je suis bête. What? Ah non, ok. C'est là qu'on peut passer. Hop. Du coup, on fait comme ça. Et on peut pas passer comme ça. Sauf si vous faites. Je crois qu'il faut refaire le tour. Je crois que j'ai niqué le puzzle. Ce qui est triste. Ben non, je peux pas passer par là. Je peux pas passer par là. Là, je peux pas passer. Je peux pas descendre. Donc, non, en fait, je suis vraiment coincé. Par contre, j'ai pas save depuis un moment, maintenant que j'y pense. Donc, j'espère que ça va pas poser problème, tout ça. Sinon, il va falloir que tout ce que je viens de faire là, je le recommence. Et vu que je suis en record, ça va me mettre la pression. Oh mais je suis débile, fallait juste faire ça.
Ok. Ensuite, je fais comme ça. J'ai mis ce clic. Et je reviens là. Ça commence à devenir un peu énervant tout ça. En plus, la migue n'aide pas du tout, elle est un peu énervante, je trouve. Là, ok, donc faut que je passe à droite. Donc, si je fais comme ça, je peux pas monter en haut. Donc, faut que je fasse. Non, je peux pas faire comme ça. Et si je fais ça, ça fait que du coup je peux faire ça, ça, ça. Oh, ça a été long, mon cerveau va fondre. Je pense que ça va être le dernier défi qu'on fait aujourd'hui parce que 3 Pokémon. Et les Delb équipant Exatou, normalement. Niveau. Ouais, il y a 3 niveaux de supplémentaires, donc j'imagine que ça a été up. Parce que sinon, je vois pas pourquoi ça serait comme ça. Bon, forcément, l'équipement qui fait avril. Et vu le temps de vidéo que ça nous fait, plus les passages qu'il y aura au début, que j'ai pas encore fait, enfin, que j'ai pas encore, que je vous ai pas encore mis, ça va faire un petit gros épisode, je pense. Donc, on finira la maison des pièges au prochain épisode. On fera le 7e défi à ce moment-là. Et on fera des Pokémon de zone pour compenser la durée de vidéo qui sera plus courte. Donc maintenant, techniquement, on peut passer ici. Non, on me dit pas que je suis coincé. Non, ça va. Non, je dois juste faire ça. Comme ça, comme ça, et comme ça. Et putain, ça a été long, compliqué, je déteste les puzzles. Et de la maison de piège, vous m'étonnez. Regarde, on se revient me voir. Épingle tout de même. Et du coup, vu qu'on n'a pas récupéré l'item, est-ce que ça va passer? Il va nous le donner quand? On va juste aller revendre toutes les conneries qu'on a obtenues. Parce que là, sinon, ça va être trop long. On va déposer également les items que j'ai pas besoin actuellement, vu qu'on est en vidéo. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 emplacements, c'est tellement limité. Donc, peut-être que je vais revendre les antidotes, les trucs comme ça, et juste acheter des total soins, je prends un petit tir. Anti-brume, on va revendre. Réveil également. Antipara, antidote, ça nous a libéré un peu plus de place. On va retirer du coup la boule fumée de l'autre. On va déposer du coup l'item au PC parce que on en a pas vraiment besoin. On va déposer du coup la boule fumée, l'œuf chance, la roche royale, le mouchoir soie, je vais le garder pour Ratatac. La roche royale, je vais le garder au cas où. Ça peut être donné à un Pokémon ou pas. Je vais heal parce que là on a perdu quelques PV. Et niveau PP, ça commence à durer un peu light. Donc on va vérifier du coup si le maître des pièges va nous donner l'item que l'on est censé récupérer. J'espère que oui. Oui, il va peut-être nous le donner après. N'est-ce pas? Tiens, l'aimant. Nice, parfait. Du coup, il va aller sur Raichu. Et bah, du coup, on fera le 7e défi la prochaine fois. Et à ce que je vois, ça va être principalement des Pokémon Psy qu'on va avoir. Donc, j'imagine que ça va être des TP. J'ai horreur des TP. Donc, la prochaine fois, on s'occupera du défi numéro 7. On fera des Pokémon de zone supplémentaire pour compenser la durée de l'épisode qui sera probablement court.
D'ici là, je pense que j'explorerai peut-être un peu, je pense. Ou peut-être que j'achèterai encore d'huile pour préparer également du coup la ligue petit à petit. J'espère que cet épisode vous aura plu. Hop, je vais sauvegarder. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à mettre un commentaire si le SP vous plaît toujours. Et d'ici là, on se retrouve, donc, j'espère, la prochaine fois pour le prochain tour. C'est le 25 et je vous dis enjoy.